Yop tout le monde, c'est Nadou, j'espère que vous allez bien. Bah, ça va super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la suite entre guillemets de la première vidéo qui est sortie en début de semaine. Ma surprise, ça vous a plu. On va pas se mentir, c'est faire 1000 vues à l'heure actuelle, c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour moi avec quelqu'un qui n'est plus sur YouTube à l'heure actuelle. Et vu que j'ai envie de me faire les autres, on va se les faire ensemble. Allez, on est parti. Donc, on est toujours sur des vidéos de QSAN. Donc aujourd'hui, on va regarder l'évolution de Minecraft. C'est quelque chose qui, je sens, va peut-être un petit peu tous nous troubler, tu vois. On commence par 2009, donc c'était l'alpha, il me semble, si j'ai pas de conneries, où il y avait deux types de blocs ou trois. Enfin. C'est. C'est beau. Ah, ça y est, avec un peu plus de blocs. Là, ils avaient rajouté la dirt et tout. Waouh! Impressionnant. Impressionnant. En fait, je pense qu'ils ont recensé en fait tous les modes, on va dire entre guillemets un petit peu, en fait tous les modes, toutes les mises à jour assez importantes. D'accord, donc le premier multiplayer de Minecraft, il est arrivé en 2009 quand même. Ils avaient rajouté le sable. Ah, il y avait le fer et tout, ils ont rajouté pas mal de ressources. Enfoiré, cette façon de marcher. Ça a été vite quand même au début, entre guillemets, ça a été super vite au début, c'est, je veux dire, à la vitesse où les blocs apparaissent et tout. Enfin, je veux dire, en 2019, en moins d'un an, ils ont rajouté, laisse tomber le nombre de blocs, ils ont rajouté les monstres, ils ont rajouté le multiplayer. Ça a été super vite sur l'alpha. La vie aussi, qu'il n'y avait pas encore jusqu'à là. Le creeper. Le creeper. Oui, monsieur, on dit creeper. Tu vas te faire défoncer, tu vas te faire défoncer, tu vas te faire défoncer. Ah, le creeper mettait des dégâts sans exploser avant. Et il explosait une fois qu'on le tuait, mais tu vois ça, je savais même pas. Ah ouais, cette progression quand même. Je sais plus quand c'est que j'ai commencé pour être honnête, je sais même plus à quelle époque. Je pense que ça devait être aux alentours de 2011-2012 que j'ai commencé Minecraft moi perso. Et j'ai toujours pas appris à le dire correctement d'ailleurs. Cette façon de courir, c'est juste dément. Ah, je crois que c'est ça, je crois, ouais, 2011 j'ai commencé Minecraft, moi, perso. Ça, c'est des mises à jour qu'au final, je n'ai jamais connues, tu vois. Le début, la création de l'inventaire, les crafts et tout, c'est quelque chose que j'ai jamais connu à la base. Enfin, tu te dis quand même que ça a bien changé. Surtout quand tu vois maintenant, depuis que ça s'est fait racheter, entre guillemets, ce que ça donne, c'est encore plus ouf, quoi. Le creeper qui donne des plumes. J'ai raté un truc, là, non? Je crois que j'ai raté un truc, les gars. J'ai dû rater un truc, ouais, je pense. Ah, ben là, je crois que c'est. Ouais, c'est cette version-là que j'ai. Ouais. Voilà, c'est à cette version-là que j'ai commencé à jouer, plus ou moins à quelques détails près. Donc, ça doit être en 2010. Parce que, ouais, c'est. Quand j'ai commencé à jouer, il y avait déjà les donjons qui étaient existants, etc. Donc ouais, c'est bien ça. Spawner à cochon? Y'a que moi que ça perturbe. Ça a été retiré, ça, par la suite. Stylé. Ah, en plus, tu pouvais le récolter alors qu'avant tu le. Ah, mais peut-être qu'il est en créatif. Je sais pas. Ah, l'arrivée des cartes! Qu'est-ce que j'ai pu faire des montagnes russes? Ça ressemble à rien, elles étaient moches, mais je les faisais parce que j'étais heureux quand même. Faites pas genre. Faites pas genre, tout le monde a fait des montagnes russes sur Minecraft. Ose me dire, tu me regardes dans les yeux, regarde-moi bien. Ose me dire que t'as pas fait de montagnes russes. Je te croirais même pas. Franchement, je te croirais même pas. T'es un menteur. Si tu me dis ça, c'est que t'es un menteur. Tout le monde a fait des montagnes russes. À l'époque, c'était waouh, trop bien. Alors que maintenant, plus personne les utilise, c'est de la merde. Il y a des techniques beaucoup plus rapides. Mais à l'époque, les cartes là, c'était. Waouh! On voit. Qu'est-ce que c'est en bas? Ah, c'est chelou! Minecraft bêta. Voilà, mais c'est là que j'ai commencé. C'est à la bêta. C'est exactement là.
Parce que quand je l'ai acheté, je me souviens, il coûtait 10 € et des poussières, ou 9 €, 9,90 $, un truc comme ça, il coûtait pas encore 20 €. Donc c'est à la bêta que j'ai commencé à jouer, pas à l'alpha, à la bêta. C'est sûr. Donc ouais, 2010. 2010, 2011, ouais, c'est bien ça. C'est beau. C'est beau, ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle bah, les débuts de ma chaîne YouTube, enfin, les débuts tout simplement de gaming avec mon petit frère, où il m'apprenait comment faire des crafts, comment faire des maisons. Mon petit frère à l'époque c'était une encyclopédie sur Minecraft. Il regardait tous les tutos qu'il y avait sur YouTube, je sais plus qui c'était, ça devait être Hypierre, Frigiel et tout à l'époque, je sais pas. Where everything is made of blocks, where the only limit is your imagination. Let's go wherever you want to go. Climb the tallest mountains. Venture down to the darkest caves. Cette pub. Build anything you want. Day or night, rain or shine. Because this is the most significant sandbox you'll ever set foot in. Build a majestic castle. Oh. Invent a new machine, or take a ride on a roller coaster. Play with friends. Build your own little community. Protect yourself with the strongest armor that you can craft. Wow. Dangers of the night. No one can tell you what you can or cannot do, with no rules to follow. C'était vraiment la pub officielle, ça? It's up to you. Je crois que ouais, j'ai commencé à la 1.1, enfin ouais, à la bêta, il me semble, ouais. Si je dis pas de conneries. Je dis bien si je dis pas de conneries. Peut-être que je me trompe. Mais c'est dans ces années-là, ça c'est sûr que j'ai commencé dans ces années-là, 2011-2012, c'est sûr et certain. Parce que moi je l'ai connu comme ça, je l'ai pas connu avant. Et justement, c'était grâce à mon petit frère que. À la base, pour moi, c'était un jeu de merde, je vais pas vous mentir, c'est je voyais ça, un mec qui tape des cubes. Va chier, t'es avec tes cubes, qu'est-ce que j'en ai à branler, quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes trucs, tu sais. Me casse pas les couilles, quoi. Et au final, avec du recul, je me dis que j'ai bien fait de commencer ce jeu parce que putain que j'ai passé des bons moments. Mais des super bons moments. C'est quoi, mais des fois, tu vois, ça te rapproche. Les jeux vidéo, des fois, ça te rapproche aussi. Parce que tu vois, mais ça a été l'époque où je me suis vachement rapproché de mon frère, tu vois, mais parce qu'on jouait à beaucoup de gens ensemble, tu vois. Comme quoi les jeux vidéo ça aide beaucoup aussi dans certains cas. Parce que je vais vous raconter ma vie, je vous avouerai que pendant l'adolescence, mon petit frère et moi, c'était pas la joie, tu vois. Alors qu'à l'heure actuelle, bah. Celui qui ose la toucher, qui ose l'approcher ou le toucher, c'est. Je lui casse les deux genoux sans aucun scrupule, tu vois. Et ce qui a fait ce rapprochement, c'est. Bon déjà c'est l'âge aussi, la maturité, ça aide beaucoup. Mais aussi parce qu'on passait beaucoup de temps à jouer ensemble aux jeux vidéo, tu vois. C'est quoi, mais ça a développé un petit truc entre nous. Oh, ça y est, on arrive sur de la 60 FPS, les gars, ça. Fou, ça rigole plus. La 1.9. Je me souviens, ça avait tellement gueulé pour la sortie de cette mise à jour. Les gens, ils étaient tellement pas contents. Oh, tu la regardais dans les yeux. Je vais te faire défoncer. Les gens, ils ont tellement ragé, tu pouvais plus jitter-clic comme ils disaient ça, tu sais. Ramenez-nous là, 1.8! À cette époque-là, c'était la guerre sur les serveurs pour savoir s'il restait à 1.8 ou s'il passait à 1.9. Les patchs, les mods et tout. Je me rappelle parce que c'était ma période Minecraft. Je suis sûr que je suis encore grade YouTuber sur pas mal de serveurs en vrai, s'ils existent encore. Oh, c'est joli ça. La 1.11. Alors on va dire, c'est à partir de cette version-là où j'ai un petit peu délaissé le jeu. Ouais, 1.11, 1.13. Ouais, c'est à partir de cette époque-là ouais, où j'ai un petit peu laissé. J'y rejoue de temps en temps, mais j'ai pas vraiment saigné comme je pouvais saigner avant, tu vois. Qu'est-ce que c'est cette merde? Genre là, par exemple, il y a des blocs au sol, je les ai jamais vus de ma vie, je savais même pas qu'ils existaient. Voilà, les blocs, la décorative bizarre au-dessus des lettres, je sais même pas ce que c'est, je sais pas conduire ces blocs-là. Pourtant, j'ai rejoué depuis, mais je sais pas ce que c'est. Ah, c'était pas la mise à jour qui avait fait polémique aussi où Minecraft avait sorti ses propres serveurs multiplayer? Je crois que c'est ça. Ah, et ça, c'est la mise à jour des océans. Ça, là, faudrait que je me la saigne un jour. Je sais pas, ça pourrait vous intéresser. Parce qu'au final, j'ai dû en rater beaucoup, beaucoup, beaucoup des choses, tu vois. Et ça me chaufferait bien de la reprendre. Fait de la reprendre. Tout est relatif.
Quand je dis reprendre, tout est relatif, oui. Mais ça serait genre en mode découvrir cette mise à jour en fait au final. Parce que je n'ai jamais eu l'occasion de la découvrir en fait. Peut-être qu'il y a des choses, bonnes choses que je peux découvrir, tu vois, des bonnes surprises que. J'ai pas regardé Minecraft depuis, j'ai jamais rejoué en survival ou quoi que ce soit depuis. Genre, il y a des pandas! Il y a des bombes villageois, il y a des biomes villageois. Il y a des arbalètes. Ah, j'ai raté beaucoup de choses, je crois, les gars. J'ai raté vraiment vrai. J'ai vraiment raté beaucoup de choses. Ok. J'ai raté beaucoup de choses, je crois. Genre, il y a des pandas maintenant. J'étais même pas au courant, donc je suppose qu'il y a des pandas, il y a du bambou et tout. Eh, j'ai envie de rejouer à Minecraft. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo, ça vous aura fait retourner en enfance pour la plupart d'entre vous. À vos débuts sur Minecraft, quand on faisait des bits en terre sur les serveurs multipliant nos potes et qu'on niquait leur pixel art en les brûlant avec des briquets. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Quand tu découvrais un nouveau mode de jeu et que tu disais que t'es le survivant de la planète avec nous, notre fameux Fallen Plat. Vous avez pas trop connu, à part vraiment les plus grands anciens d'entre vous. Enfin voilà, en tout cas, c'est le genre de vidéo qui me fait plaisir. Je sais pas pour vous, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le bon gros like des familles. Ça fait toujours plaisir. Je sais que vous êtes peu à regarder mes vidéos, mais je sais que le peu qui reste, j'ai bien compris que ça vous fait plaisir de me voir un peu plus, donc. J'ai pas le temps de m'investir à 100% dans YouTube, mais ça reste des vidéos cool, ça reste des petits partages. C'est quoi dire, ça reste assez rapide à faire, donc c'est pour ça que je peux me permettre de vous faire ça actuellement. Même si c'est pas le contenu le plus rêvé, mais au moins on partage un petit moment ensemble, et je pense que pour certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, c'est mieux que rien. Donc voilà, si jamais vous avez mon Instagram dans la description de la vidéo, si jamais vous voulez voir un peu ce que je fais en dehors de YouTube à l'heure actuelle, n'hésitez pas à mettre le like, si ce n'est pas déjà fait, ça fait plaisir, bien entendu. À vous abonner, imagine, je suis référencé sur cette vidéo, quelqu'un la croise et se dit il n'est pas abonné, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Enfin bref, je vous fais des gros bisous, je vous dis merci à tous, et à très bientôt. Peace!